Un livre de Mireille d'Alençay. Robert a passé une très mauvaise journée. Oh là là, enlève tes baskets, dit son père. Voilà, dit Robert. Au dîner, il y a des épinards. T'es pas malade? S'exclame Robert. Monte dans ta chambre, dit son père. Tu redescendras quand tu seras calmé. Ça m'étonnerait, répond Robert. Et là-haut, dans sa chambre, Robert sent une chose terrible qui monte, 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 jusqu'à ce que... Elles sortent d'un coup. Salut, lui dit la chose. Qu'est-ce qu'on fait? Ce que tu veux, dit Robert. Bien, dit la chose. On va commencer par là. Et hop, la couette se met à voler avec tous les coussins. Craque la table de nuit. Zouig la lampe. L'étagère et tous les livres y passent. Géant! Et puis, la chose s'approche du coffre à jouets. Attends! Pas ça! Dit Robert. Tu entends? Arrête! Ah non! Pas mon camion préféré. Attends, je vais te réparer. Et toi, gros nul, disparais. Tu as intérêt de te faire tout petit. Oh, ma petite lampe, attends, je te redresse. Et toi, mon petit oreiller tout cabossé. Et mon livre préféré, il t'a tout froissé. Mon pauvre. Là, c'est mieux comme ça. Ah, tu es là, toi. Viens ici que je t'attrape. Allez, ouste, dans la boîte, et on ne bouge plus. Papa, est-ce qu'il y a du dessert?